Bonjour tout le monde, ici The Rock. Première vidéo enregistrée en 2023. Il y en aura eu deux autres avant, mais qui auront été enregistrées en 2022. C'est la première que je fais en 2023 et je veux en profiter pour vous re-souhaiter encore une fois la bonne année. J'espère que ce sera une meilleure année pour vous et que vous allez réaliser tout ce que vous entreprenez et que, bon, ça se passe bien cette année-là. Hein? Je pense qu'on se le souhaite toutes. Maintenant, on part l'année avec un nouveau format. C'est un format qui a déjà été vu sur le Gaming NHL côté anglais. C'est Trash, pour ceux qui connaissent un peu là, le NHL anglophone, qui a fait ce concept. Et je voulais le faire aussi parce que je suis quelqu'un qui joue quand même à Rocket League. Vous le voyez en passant, c'est Rocket League. C'est pas NHL, c'est extrêmement rare qu'on commence une vidéo et que ce n'est pas NHL en background. Donc, on va faire... Essayer de gagner une game, ben c'est pas essayer, c'est un challenge. Faut gagner la game. Et si je ne réussis pas, je dois discard un pack. Et si je gagne la game, ben on peut garder ce pack-là. C'est une vidéo qui est courte, c'est une vidéo qui va être intense sur une petite période de temps, mais ça va être intéressant. Donc on y va comme ça. Si vous avez des idées comme ça, de challenge, d'autres jeux, n'hésitez pas. Peut-être que 2023 sera le moment de... Je ne sais pas, le faire autre chose que du NHL. Donc, ce sera à voir. Ce qu'on va faire, on n'ira pas en casual, parce que ceux qui connaissent Rocket League, casual, c'est pas en compétitif. C'est parfois un peu plus facile. On va y aller en compétitif. On ne jouera pas en 2 contre 2, parce que je pense que pour ce genre de vidéo-là, c'est plus facile. Donc, vous voyez qu'en 2 contre 2, je suis classé Diamant 1, Division 3. Donc, c'est quand même bon. Je me considère comme un bon joueur de Rocket League, sans être extraordinaire. Et on a du 3 contre 3 standard, Gold de 3, Division 3. Donc, évidemment, là, j'ai été un peu moins bon en 3 contre 3 dans mes parties de rank. Donc, on va y aller avec du 3 contre 3. Je pense que c'est plus intéressant pour ce type de vidéo-là. Et si jamais... OK, c'est peut-être trop fort le son. Donc, je vais juste arranger le volume pour être sûr que ce ne soit pas trop fort pour vous. Et je vous reviens pour la suite. OK, donc c'est parti. 3 contre 3. Le but, c'est de gagner la partie. Si je gagne pas la partie... C'est ciao et on doit aller discard, supprimer le pack que je vais acheter. Si jamais je gagne la partie, je me permets de garder le pack en question. Donc c'est parti, 3, 2, 1, let's go! Ok, on joue dans Forbidden Temple. Et c'est parti. Si le son est trop fort, vous me dites dans les commentaires, on ajuste. Si le son est pas assez fort, vous me dites dans les commentaires, on ajuste. On est avec qui là? CBG 2599 et l'autre, je ne sais pas encore, et ça tombe bien. Le premier gars est pas là au face-off. On l'a quand même remporté. Là, soyez indulgents. Je vous l'ai dit, je suis pas le meilleur joueur de Rocket League. Je me débrouille et en 3 contre 3, ça dépend beaucoup des coéquipiers. Et là, ben, on a déjà raté une occasion. Bon, OK, let's go. Faut juste que la rotation soit belle. Oh non. Oh non. OK, ça part mal. C'est la pression, j'ai les mains moites. Première game de... OK, celui-là est à moi, celui-là est à moi, celui-là est à moi. Oh, ah. On va y aller là. Oh, la châteaunette! Good save! OK, ça part bien, ça fait 30 secondes qu'on est là, puis on a déjà eu un scoring chance. Oh, oh. Ça, c'est le mien, ça c'est mon ballon. Ah, oh, non. Ah, oh, non. Oh, ils ont choke. Oh, ils ont choke, les cons. Oh, ils ont choke, les cons. Ah! Ça, c'est mon boost. Il élève. Excellent. Nice shot, ça rentre, ça. Oh, good save. On a le droit à un bon match, là. On a le droit... Oh, non. Oh, non. Oh, non. Non! Oh, ah! Asti. Iceland Dog avec le premier but avec une minute de jeu. Aïe, aïe, aïe. OK, face-off important, ici. CGB. Oh, good job. Je sais pas c'est quoi le nom de mon autre coéquipier. Oh, Gacho, go, 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 si... Ah, CGB! Faut-tu follow? Oh, oh, oh. Oh, oh! Bang! Bang! Let's go! Pas question de discard un pack. Et je vais vous le dire, ce genre d'arrière-là, personnellement, pas facile. Ils sont hautes, compliqués d'accès. Et là, oh, 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 muscule. Oh, oh, come on. Oh, c'est bien ça. C'est bien ça. Bang! On place son net, pourquoi pas? Non, OK, on revient. La rotation en 3 contre 3. On a de l'air d'avoir soit un goaler, soit un joueur qui joue pas, là. Oh, come on!
Oh non, on peut pas se permettre d'avoir un joueur qui joue pas là. Pas à 1-1 avec 3 minutes 25 à faire. Ok, il est de retour, je sais pas s'il est de retour en fait. Bang. Ah, good try. Ok, le rebond, faut que quelqu'un touche à ça. Et si boire. Ok, on commence. Au palais. Oh, ils ont fait les cons là. Oh, moi tout là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est du talent. Oh, ah, dommage. Ok, back check. Faut que j'aille prendre le boost. Good job, coéquipier. On est le troisième homme, deuxième vague. Et voilà. Bang. On remercie notre coéquipier Edwin. Et on prend les devants 2-1, et pour ce premier épisode, pas envie de parler trop vite, mais ça sent bon. Et on a un bon pack en plus en jeu. On a un excellent... Oh, come on! Oh! Ok, good save. Ok, come on les boys, 2-1. Deux buts de Rock the Rock. Oh non, good touch. C'était close. Oh non, il y a de l'espace. Le bon shot. Oh non, le bon shot. Oh non, le bon shot. Oh non! Oh non! Et c'est un troisième but pour Rock the Rock, sauf que c'est dans son filet. Yes! Oh, my bad. C'est le genre de jeu où est-ce que je veux beaucoup trop toucher à tous les ballons. Ça fait en sorte. Et des fois, je les frappe pas comme du monde. On doit se racheter, là. On place ça en fond de zone. Oh, good touch. Back check, paycheck. Qui a le ballon? Oh, non. Non. Oh, good touch. Faut y aller, là. Et voilà. Oh, ça passe. Ok, non, ça passe pas grave. Bang! Ça dégage. Oh. Ça dégage. Free choke. Oh, ça on pousse. Bang! Oh, good save! Oh non, Embiid. Joel, on était trop agressif là-dessus. Ok, c'est bon. 1-35. C'est un excellent match. Comme premier épisode, là, c'est un excellent match. C'est serré, il reste peu de temps. Oh non, oh, je suis pas là. Ouh! Let's go! Embiid! Edwib! À chaque fois que j'ai dit son nom, je l'ai dit de façon différente. Pas grave. Et on va remercier notre adversaire pour ce troisième but. Let's go! Le touch. Ça prend un boost. Oh, let's go. Oh, come on! Pousse-la. On est là. Ah, elle va être tough celle-là. On la prend pareil. Good save! On va rester en arrière, c'est un troisième homme important, sauf qu'on emmène par un. Et voilà, on profite. Oh la belle shot! Oh la belle shot! Oh 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 oh! Bang! Le snipe! Et comme au Ovechkin hier soir contre le Canadien, tour du chapeau. Let's go! Let's fucking go, man. Fais ça, 4-2 avec une minute d'avance. Je me sens quand même confortable. Ah, peut-être un peu trop là. Peut-être un peu trop confortable. Oh, good touch. Faut pas prendre de risques inutiles. Faut dégager quand on peut. Mais good job. On va rester troisième homme encore. Même si Embiid semble vouloir rester dans l'air. Oh, Embiid, j'ai besoin de toi là. Embiid, j'ai besoin de toi! Oh! Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il joue ou il joue pas là? Ah, en plus, il décide de se pointer. À la dernière seconde, il est pas capable d'y toucher. Là, ça met un peu de piquant sur ce match-là. Là. Oh non, les boys! C'est un guet-apens, man. On essaie de m'empêcher d'avoir un pack. Là. Ok. Bang.
good touch. Faut pas être trop agressif là, parce qu'on a deux coéquipiers qui semblent pas y aller pour la win. Bang! Ok, 8 secondes, on dégage. Ça risque de revenir dans un filet. Oh! Il peut y avoir un quatrième et le tir de Embiid! Et convaincante victoire des Oranges! Et ça veut dire que Rock the Rock pourra garder un pack à Hockey Ultimate Team et je vais pouvoir vous montrer mon équipe aussi qui, pour quelqu'un qui n'a pas dépensé beaucoup d'argent, est assez impressionnante. Et en plus de ça, on est le MVP. Donc on transfère à NHL pour le pack opening. Ok, on est de retour sur NHL 2023. Et bon, c'est la nouvelle année, donc il y a plusieurs packs. Vous allez pouvoir les voir pour ceux qui ne sont pas au courant. Voyons voir les packs disponibles. Bon, ça, on s'en bat les couilles. On va aussi regarder. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a ces Nation of Hockey. Donc, on a toutes ces cartes-là disponibles. Un beau et gros Joe Thornton avec la belle barbe, ce serait intéressant. Jonathan Drouin, bof. Ok. Ou sinon, Joshua Roy, 82, même si on ne l'utiliserait pas. Connor Bedard, 88 overall, ce serait vraiment hot. Même chose pour un petit Barkov. C'est quoi les autres? Il y a donc bien de slides, là. Il y a donc bien des joueurs spéciaux. Les équipes de la semaine, c'est sûr que Nikita Kucherov, ce serait intéressant. Ça, c'est les packs disponibles. OK, pack du réveillon, parfait. On a le mieux, on a des X-Factors. Et on a un pack opening où on peut garder le fameux pack. Donc, évidemment, je pourrais ouvrir un 60 000 ou un 50 000. Lequel que je vais ouvrir? 82 overall. Moi, j'avais en tête d'ouvrir celui-là. Mais on peut ouvrir celui-là. C'est quoi les chances qu'on a? 26% ou 20%. On a 14 joueurs, 3 éléments 82. Ou ici, on a 11 joueurs 80 et plus. C'est sûr que ça, pour les collections, c'est peut-être mieux. Donc, on va ouvrir ce pack-là. 50 000. Et grâce à la victoire, on peut le garder. On a 11 joueurs 80 overall et plus. Ça en fait déjà un. Donc, Neil Pionk. Henry Yokiharju, un beau chandail de Détroit, une célébration, Thomas ok, bon, à date, Eric Carlson, TJ Soshi, à date c'est pas fou le pan, ouh, Barkov, il y a une version meilleure de Barkov, qu'on aurait pu utiliser, Dylan Cousins, ça. Oh non, pas Cornish and Ophiel. Oh! C'est pas mauvais. C'est un 86. C'est du mauve. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Et... Arc. OK. Kendall Coy Schofield. On va aller voir combien ça vaut. Mais c'est... on a quand même eu Barkov. On a eu quelques trucs. Et il nous reste quoi? 43 000. OK. On va s'organiser pour... On va s'organiser pour en ouvrir peut-être un autre. Un autre pack. Et cette fois-ci, on va ouvrir un pack à... Pas 85 000, pas 65 000, pas 30 000. 60 000 avec 3 éléments. 82 overall et plus. C'est le dernier pack, c'est la nouvelle année. Bonne année tout le monde. Est-ce que EA me souhaite la bonne année avec peut-être un Connor Bedard 88 overall? Premier joueur, c'est Spencer Knight 80. On en a deux autres comme ça. Avec quelques autres joueurs. Deuxième. Killa Barnes. Ok. Il en reste un. Un joueur 80. Calice. N'achetez pas de pack. C'est ce que ça veut dire. Ce chandail-là est magnifique. Mais n'achetez pas de pack, c'est ce que ça veut dire. On a eu Timo Thomas Hurdle. Donc voilà pour la nouvelle année. J'espère que vous allez en passer une solide, honnêtement. J'espère que votre 31 a été festif aussi. J'espère que pour cette année, ma chaîne va grandir encore plus. On est déjà une très belle communauté, je l'apprécie. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour la première fois de 2023... Ciao, bye!